avec mes collègues, nous avons eu une lecture, on va dire, créative de l'appel à projet. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire un lien entre les crises de l'énergie dans les années 70 et les défis écologiques et climatiques d'aujourd'hui? Donc on s'est concentré sur la période autour des années 1970 dans la métropole bordelaise pour avoir une unité de lieu. Et donc on a dit, on va regarder ces architectures qui sont comme le champ de cygne des Trente Glorieuses, où les idéaux, les valeurs esthétiques, les techniques de construction du modernisme étaient à leur épanouissement. L'idée était de mettre en crise quelque part la question du durable en regardant des architectures qui avaient des qualités, qui ont une valeur durable, qui n'est pas forcément la durabilité quantitative de mesures de consommation. On a voulu depuis un moment, à l'École d'architecture et de paysage de Bordeaux, travailler entre les deux laboratoires Pavé et Greco. Pavé avait déjà une expérience travaillant avec une université américaine et donc on a décidé aussi de nous appuyer, de capitaliser sur ce partenariat. La raison étant que cette question de la ville durable et du modernisme devrait être abordée dans une perspective globale. Cette équipe a permis aussi d'avoir une approche pluridisciplinaire, puisqu'on avait des sociologues, des architectes, des urbanistes, des psychologues de l'environnement, des ingénieurs, et donc on a pu avoir une approche très très globale. Il y a trois, on va dire, dimensions ou facettes principales. La première, c'est l'histoire, la généalogie, une manière de caractériser les architectures qu'on avait choisi de regarder. Une deuxième approche était donc davantage par la question des ambiances, du confort, à la fois mesurée, quantifiée et ressentie. Et la troisième approche était une approche d'enquête sociologique. Donc ça concerne autant les habitants que les bailleurs sociaux, les copropriétés, les syndics, les services techniques de la ville, les services du patrimoine. On a quatre cas sur la métropole bordelaise. Deux qui sont des quartiers plutôt grands de Dalle et Tours, Mériadec, qui est plutôt dans le centre de Bordeaux, et Les Aubiers, un quartier de logement social un peu au nord de Bordeaux. Et deux quartiers à plus petite échelle, qui sont des mixtes entre maisons en bande individuelles ou maisons semi-détachées et petits immeubles collectifs. L'objectif de la recherche, dans un premier temps, était de mieux conceptualiser la problématique qu'on a posée pour que tous les acteurs impliqués puissent saisir cette question-là. Et c'est quoi la question ? C'est comment conjuguer ce patrimoine qui a un certain intérêt dans sa diversité avec les exigences relatives à la notion de ville durable. Pour faire cela, on a imaginé quelque chose qui s'appelle un guide anté-projet. Anté-projet, c'est différent de avant-projet qui est une phase d'une mission d'architecte. Pourquoi anté-projet ? C'est même avant. Si je prends par exemple le quartier où nous sommes, qui s'appelle Pontet-Lamartine, la copropriété est propriétaire d'un espace public qui est accessible à tous, mais qui techniquement appartient aux copropriétaires et pas à la ville. Donc le guide anté-projet est censé pouvoir rendre compte de toute cette complexité avant d'aborder la question du projet, en particulier, c'est-à-dire comment intervenir sur l'existant. Dans le deuxième volet de la recherche, qui était le volet expérimentation, nous avons travaillé avec des propriétaires qui étaient intéressés par notre démarche. On a pu mobiliser des étudiants, à nouveau de la formation d'architectes, sur une étude de certains logements, certaines maisons dans les deux quartiers, en croisant des mesures quantitatives avec des entretiens avec des habitants pour comprendre le ressenti. La recherche aboutit sur une meilleure connaissance dans chacun de ces deux quartiers des enjeux. Mais il y a une montée en généralité, on peut dire aussi, parce que les éléments de médiation peuvent être reproduits facilement dans d'autres cas. Le troisième aspect, après médiation et ambiance, était, on peut dire, plus sur le social, dans le sens collaboration, rencontre. On a pu rencontrer et mobiliser les expertises de différents organismes comme l'ADEME, l'ALEC, mais également des acteurs qui sont intéressés par
l'histoire de l'architecture, le patrimoine, donc notamment le CAUE. Il y a un angle mort en termes de ressources et d'accompagnement. Et donc, nous pensons vraiment qu'il faudrait réfléchir à des dispositifs particuliers pour accompagner des copropriétés qui ont un patrimoine de ces années-là, la fin des Trente Glorieuses. Donc, cette difficulté que rencontrent les copropriétés a été particulièrement révélée dans un des outils que nous avons produit, ou un des résultats de notre recherche, qui était un film recherche, on appelle ça, produit par Zoé Vandenberg, qui est sociologue et vidéaste. On voit dans ce film à la fois l'amour et le plaisir que prennent les copropriétaires dans leur maison et dans leur quartier, mais aussi les tensions, on sent les tensions d'organisation collective, d'une démarche de préservation du patrimoine face à des injonctions environnementales et énergétiques. Notre travail, tant dans le premier volet que dans le second, nous convainc que nos cas d'études sont des architectures contemporaines remarquables. Mais nous savons pertinemment qu'il y a beaucoup d'autres quartiers à Bordeaux et ailleurs qui sont dans la même situation, d'être une architecture contemporaine remarquable de cette époque-là et qui confrontent les mêmes problèmes. Donc ce label pourrait être mis en mode projet plutôt que rester dans une logique de labellisation. Et ça répondrait à une vraie demande provenant du terrain.